2-0. But he's going to tell you today we're going to put two scores. Même two, si no. Il sait d'avance. Even though he knows beforehand. Que l'équipe qui est en face. Beforehand that the team have in front of them. C'est une équipe très forte qui domine le championnat. Is a very strong team that is leading. Mais il va vous dire que aujourd'hui c'est notre jour. Nous allons gagner ce match là. Is leading the league going to tell you today is our day we're going to win the match. Bien aimé, mais vous et moi. Beloved, you and I. Nous sommes de l'équipe des vainqueurs. We are all the team of the overcomers. Amen, amen. Nous sommes de l'équipe des vainqueurs. We are the team of the overcomers. Notre champion. At times the devil knows how to deceive people. Regardez les gens qui sont dans l'erreur. Look the people that are in error. Regardez la joie qu'ils ont. And look the joy that they have. Quand il s'agit de louer le Seigneur. When it's about to praise the Lord. Quand il s'agit de chanter. When it's about to sing. Regardez ce qu'ils font. Look what they do. Ils sont dans la joie. They are happy. À tel niveau, à tel enseigne quand vous les regardez. To such extent when you behold them. Vous ne pouvez pas vous imaginer. You cannot think about it. Ils chantent. They sing. Ils dansent. They dance. Ils sautent. They jump. Bien aimé, mais il est the beloved, but they are in error. Mais il est dans cette joie. But is in that joy. À combien plus forte raison vous et moi. How much more you and I. Gloire à Dieu. À combien plus forte raison vous et moi. How much more you and I. Nous, ils sommes dans la vérité. We that are in the truth. Nous devions toujours avoir la joie du salut. We should always have the joy of salvation. Alléluia. Nous devions toujours avoir la joie du salut. You should have always the joy of salvation. Regardez comment les frères chantent. Look how the brothers sing. Est-ce que le Seigneur n'a rien fait dans votre vie? Did the Lord never done anything in your life? Amen. My sister. Le Seigneur n'a rien fait de bien dans votre vie. The Lord has never done anything good in your life. Nous ne sommes pas dans une messe catholique. We are not in the Catholic. Nous sommes les rachetés. So when you sing for him, always be joyous. May the Lord our God bless you. We're going to stand up. To read the Holy Spirit. You open up the Bible. Chapitre 4. Chapter 4. Nous allons commencer à partir du verset 4. From verse 4. Jusqu'au verset 6. Verse 6. 1 Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6. Je vais lire le verset 4, vous allez vous asseoir. Alors, je vais continuer avec la lecture. 1 Jean 4, chapitre 4, nous lisons. 1 Jean 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Veuillez, s'il vous plaît, vous asseoir. You may be seated. Nous continuons notre lecture. We carry on our reading. Le verset 5. Verse 5. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Verse 4, we are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you, than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world hears them. We are of God, he that knoweth God heareth us, he that is not of God heareth not. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Nous allons compléter notre écriture. Going to complete our scripture. Nous sommes dans Jean 14. In John 14. À partir du verset 15. Verse 15. Jusqu'au verset 19.
Jean 14, 15, 19, 12 ans. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Verse 15. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with him forever. Even the Spirit of the truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth in you and shall be in him in you. I will not leave you comfortless, and I will come to you yet a little while, and the world see me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. Amen, amen. Je vais prier le Seigneur. I'll pray the Lord. Seigneur notre Dieu. Lord our God. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. We say thank you for the time you've given us. Merci pour cet après-midi, Seigneur. Thank you for this afternoon, Lord. Tu ne réunis jamais ton peuple en vain. You never gather your people in vain. Quand tu réunis tes enfants, qui a toujours une parole à leur parler. You gather children, you always got words. Seigneur, tu écris dans ta parole que là où deux ou trois se réunissent à cause de ton nom, toi tu es oublié. Lord, you said in a way where two or three are gathered in your name, you are the least. Seigneur, tu es le Dieu fidèle au rendez-vous. Lord, you are faithful God to the rendezvous. Nous croyons que tu es déjà ici. We believe you are already here. Seigneur, merci pour le service de méditation qui a eu lieu. Lord, thank you for this service of meditation that has taken place. Seigneur, merci des paroles précieuses de l'exhortation. Thank you for the precious word of exhortation. Merci de cette louange, Seigneur. Thank you for these praises, Lord. Merci des dîmes et des offrandes. Thank you for the tithe and offering. Même ceux qui avaient la bonne volonté, mais dont les possibilités sont limitées, n'ont pas pu donner bénir des enfants, Seigneur. Even them that had the good will, but the merci de faire de la parole qui vient d'être lue. There's the word that's been read. Nous voulons écouter ta parole. I want to listen to your word. Le diable peut nous laisser chanter. The devil can leave us chant. Mais c'est le moment d'écouter ta parole, il vient nous distraire. Come the time to listen to the word, come to distraire. Toi, Seigneur. As well, Lord. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle. We want you to take your control. La préminence. The preeminence and the du haut de la chair jusqu'au dernier banc. From the pulpit to the last stage. Seigneur notre Dieu. Lord our God. Parle-nous pendant que nous attendons à toi. Speak unto us, we're waiting upon you. Bonne disposition de te recevoir, Seigneur. Give us a good readiness. L'esprit de distraction. The spirit of distraction. L'esprit de sommeil. Spirit of slumber. L'esprit de fatigue. Spirit of fatigue. Je le condamne au nom de Jésus Christ. I condemn it in the name of Jesus Christ. L'esprit de séduire. To believe this place. Je sens errer, Seigneur. And parce que nous sommes ici en ton nom. Because we are here in your name. Je prie ici avec foi. I pray this dans le nom précieux. The precious name. De notre Seigneur Sauveur Jésus Christ. Our Lord and Savior Jesus Christ. Va faire jusqu'à la fin de notre service. With us until the end of the service. Nous avons ici prié. With us pray. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of his word. Cet après-midi, nous allons parler sur celui qui est en vous. This afternoon we're going to speak about he that is in you. Celui qui est dans he that is in you. Quand nous avons lu dans 1 Jean, when you read in the first John, bien aimé, vous comprenez là qu'il y a ce pronom celui. Beloved, we understand that this pronoun him qui revient à deux reprises. It comes back twice. Il y a un celui. There is one him qui est dans vous, which is in you. Et il revient pour la deuxième fois. And he's returning for the second time. Un autre celui. Another him. Mais celui-là n'est pas en vous. But that one is not in you. Mais lui est dans le monde. But him is in the world. Un celui qui est en vous et un autre celui qui est dans le monde. One him that is in the world, another him which is in you. Nous allons toucher celui qui est dans le monde. We're going to touch one that is in the world. Et puis nous chiterons avec celui qui est en vous. And we're going to end up with the one that is in you. Bien aimé. Beloved. Il y a deux esprits. There is two spirits. Qui gouvernent l'homme. Which govern man.
Ma soeur, my sister, il y a deux esprits, there is two spirits, qui gouvernent la femme, which govern the woman. Il y a l'esprit de Dieu, there is the spirit of God. Il y a l'esprit impie, there is the evil spirit. Ces deux sont souvent proches. These two are very close to each other. Mais ils ne peuvent pas être ensemble au même moment. But they cannot be at the same time in one place. L'esprit de Dieu et l'esprit impie. The spirit of God and the evil spirit. Ils sont souvent proches. They are very close to each other. Mais ils s'excluent l'un l'autre. But they exclude one to another. Dans le jardin d'Eden. In the garden of Eden. Il y avait l'arbre de vie. There was a tree of life. Et il y avait aussi à côté l'arbre de connaissance du bien et du mal. The tree of knowledge of good and evil. Il y avait Caïn. There was Cain. Sans révélation. Without revelation. Il y avait Abel. There was Abel. Qui lui avait reçu la révélation. He received the revelation. Ils étaient toujours proches. They were always close. À telle enseigne que lorsque l'heure est venue pour présenter l'offrande, to such extent when it came to present the offering, Caïn a regardé au fruit. Cain looked at the fruit. La beauté des fruits. The beauty of the fruit. Comment c'était attirant. How it was comment was ça brillait. How it was shining. Il s'est dit. He said himself. Tellement que c'est beau. It's so. Tellement que ça tire. It attracted. Tellement que c'est brillant. It's so shining. L'Éternel pourra recevoir mon offrande. The Lord could agree with my offering. Sans révélation. Without revelation. Abel. Abel. Dieu l'a révélé. God revealed himself unto him. Que il fallait le sang. That he needed the blood. Amen, amen. Dieu l'a révélé. Il n'était pas question de fruit, mais il fallait le sang. God revealed himself unto him that it was. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La révélation est la chose très très importante. The revelation is the most important thing. Alléluia. Un peuple sans la révélation est comme une voiture qui marche sans frein. It is like a car without brakes. Gloire à Dieu. C'est comme une voiture qui marche sans frein. It is like a car without brakes. Mais que notre Dieu soit loué. May God be praised. Parce qu'il s'est souvenu de nous. Because he remembered us. Il nous a pas abandonné. He hasn't forsaken us. Vers le soir. Toward the evening. La lumière paraîtra. The light shall appear. Alléluia. Il nous a révélé sa parole. He revealed his word unto us. Que Dieu vous bénisse. Il a révélé sa parole. He revealed his word. Dans cet âge de l'Odyssée, in this age of Laodicea, il vous a aimé, ma soeur. He loved you, my sister. Il vous a aimé, mon frère. He loved you, my brother. Au milieu de toute cette confusion, in the midst of all this confusion, pour que vous puissiez reconnaître sa volonté aujourd'hui. For you to acknowledge his will today. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi quand nous marchons, that's why when we walk, parce que nous sommes dans la lumière, because we are in the light, nous marchons dans la lumière. We walk in the light. Gloire à Dieu. Nous nous réjouissons dans la lumière. We rejoice in the light. Nous sommes les enfants de la lumière. We are the children of light. Pendant que les gens sont dans la confusion, while people are in confusion, mais nous ne sommes pas dans la confusion. Alléluia. We are not in confusion. Pendant que les gens n'ont pas à manger, while people don't have food. Alléluia. Pendant que les gens sont dans la crise de la parole de Dieu, while the people are in crisis of the word of God, nous avons de la nourriture en abondance. We got plenty of food. Amen. Dieu a pourvu pour nous une nourriture. God has provided for us food. Une nourriture des femmes âgées. A food for grown-up. Une nourriture des hommes âgés. For grown-up men and women. Une nourriture qui doit nous préparer pour l'enlèvement. A food that comes to prepare us for the rapture. Gloire à Dieu. Caïn. Cain. Abel. Abel. Un avec la révélation. One with revelation. Un autre sans la révélation. And the other one without revelation. Disons quelques scriptures. Read some scriptures. Je voudrais que nous puissions aller dans Proverbe. I'd like us to go in Proverbe. Nous allons lire Proverbe 29. Nous pourrions lire Proverbe 29, 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Pro-
Proverbs 29, verse 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Heureux s'il observe la loi. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law is busy. Nous allons lire dans Luc 6. Luke chapter 6, commençons à partir du verset 47. From verse 47. Lisons l'écriture dans Luke 6. Luke chapter 6, le verset 47 jusqu'au verset 48. Verse 47 to 48. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir le branler. Parce qu'elle était bien bâtie. Verse 47 in English to 48. Whosoever cometh to me and heareth my saying and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and digged deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat violently upon that house and couldn't shake it. And for it was founded upon the rock. Amen. Nous allons dans Matthieu 16. We're in Matthew 16. Nous sommes dans Matthieu 16, nous commençons à partir du verset 13. Matthew 16 from verse 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts Verse 13, chapter 16, verse 11. When Jesus came into the coast of Galilee, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, but whom ye say that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus said, answered unto him, blessed art thou, Simon bar Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto thee, but my Father which is in heaven. And I said also unto thee, that out of Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Alleluia!
Regardez un peu l'importance de la révélation. Look the importance of the revelation. Pendant que Jésus posait la question aux disciples, while Jesus was asking questions to the disciples, chacun pouvait donner ce qu'il connaissait. Each one could give what he knew about. Mais la Bible dit que Pierre ici, but the Bible says Peter, il regarde Jésus. He looked at Jesus. Il dit, he said, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Thou the Christ, the Son of the living God. Alors quand Jésus regarde Pierre, when Jesus beheld Peter, il dit que ce n'est pas la chair qui arrive ici. He says not, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. But my Father which is in heaven. Sur cette pierre, upon this rock, il a dit que toi tu es Pierre. He said, thou art Peter. Toi tu es un homme. You are the man. Mais sur cette pierre, but upon this rock, sur cette révélation, upon this revelation, yeah, pas sur l'homme Pierre, not upon the man Peter, mais sur cette pierre, but sur la révélation, upon this revelation, the là je bâtirai mon église. There I will build my church. Un peuple sans révélation. A people without revelation. Comme nous l'avons dit, c'est comme une voiture qui marche sans frein. As we said, it's like a car driving without a brake. Si vous n'avez pas la révélation, if you have no revelation, votre foi est basée sur le sable. Your faith is based Alleluia. On the sand. Lorsque la tempête viendra, when the tempest will come, parce que votre foi, because your faith, parce que vous êtes comme une maison qui est bâtie sur le sable, because you are such as in the house that is quand la tempête viendra, when the tempest will come, la maison sera détruite, your house will be destroyed. Sur cette pierre, upon this rock, je bâtirai mon église. I'll build my church. Mais ce sont des accidents que nous avons aujourd'hui. But these are accidents we have today. Avec les gens qui n'ont pas de révélation. With people without revelation. Comme des voitures qui roulent sans frein. The cars driving without brakes. Ce sont les gens d'accident que nous avons aujourd'hui dans l'église. It is the kind of accidents we got today in the church. Où vous trouvez la femme du haut de la chair en train de prêcher. Where you find a woman on the pulpit preaching. Où vous arrivez quelque part. Where you get somewhere. Pour qu'on vous donne la chair. For the pulpit to be given unto you. Prêcher. To preach. Vous devez avoir une licence en théologie. You got to have a diploma in theology. Vous devez avoir un doctorat en philosophie. You have to have a PhD. Et regardez un peu le genre d'accident qu'il y a aujourd'hui. Look the kind of accident you have today. Un peuple sans révélation. People without revelation. Nous sommes heureux. We are happy. Parce que l'Éternel s'est souvenu de nous. Because the Lord has remembered us. Alors tenons la parole de Dieu. So let us hold the word et of God. Et allons-y et avant. Let Amen. Us go forward. Il y a la vie. There's life. Il y a la mort. There is. Il y a la lumière. There's death. There's light. Il y a le ténèbre. There's the darkness. Nous parlons de deux esprits. We talk about two spirits. Il y a la foi. There's faith. Il y a l'incrédulité. There is unbelief. Il y a le Saint-Esprit. There is the Holy Spirit. Il y a aussi la marque de la bête. There's also the mark of the beast. Ou bien Dieu te sait de baptiser du Saint-Esprit. Either God baptizes the Holy Spirit. Tu reçois la marque de la paix. Oh, you receive the mark of the beast. Alléluia. Il y a un Jacob. There is a Jacob. Il y a eu un Esaü. There was an issue. Que Dieu vous bénisse. Regardez un peu ces enfants. Look at the two children. Jacob et Esaü. Jacob and Esau. Ces enfants, je ne connaissais absolument rien de ce qui est du bien et du mal. These two children knew nothing about good and evil. Alléluia. Pendant qu'ils étaient dans le sein de leur mère, while they were yet in the womb of the mother, Dieu dit, God said, j'ai aimé Jacob, I loved Jacob, j'ai haï Esau, I hate Esau. Regardez un peu l'élection de Dieu. Look the election of God. Regardez la grâce de Dieu. Look the grace of God. Ça ne dépend ni de celui qui court. It doesn't depend on the one that runs it. Ça ne dépend ni de celui qui veut. It doesn't mean depend on the one mais that ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. But it depends on God that grants. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. It depends on God that makes grace. Et Dieu bénisse son serviteur. May God bless his servant. Jacques Achille. Et Lydie Kone Achille. Parce que vendredi. Because Friday. Ça ne dépend pas de nos efforts. It does not depend on our efforts. Mais c'est Dieu qui fait grâce. But depend on God and grace. Nous sommes tellement faibles. We are so weak. Nous avons tellement de péchés. We are so many sins. Alléluia. Mais quand nous reconnaissons notre état de péché, but if we acknowledge that state of quand sin, quand nous reconnaissons nos faiblesses, when we acknowledge our weakness, quand nous reconnaissons que nous sommes petits, when we acknowledge that we are little, nous approchons, then we come near. Nous venons à la confession.
conférence. We come to the conference. Il a dit, venez en moi pour tous qui êtes fatigués. He that said, you come to the conference. I'll give you rest. Nous venons à la conférence. We come to the conference. Nous implorons sa miséricorde. We ask for his mercy. Nous implorons son aide. We ask for his help. Nous implorons son secours. We ask for his Il nous assiste et nous sommes aussi vainqueurs avec and lui. We are also overcome with him. Gloire à Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui veut. Does not depend. C'est lui qui court. Who the one that runneth? Who the one that runneth? But depend on God and grace. Beloved in the Lord. Et la grâce. The grace. La grâce de Dieu est notre enseignant. The grace of God is our teacher. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu est notre enseignant. The grace of God is our teacher. Cet enseignant nous montre où est-ce que nous pouvons poser les pieds. This teacher shows us where et où est-ce que nous ne pouvons pas poser les pieds. And where can we not put our feet? La grâce pour l'absorbe. The grace for flowing. Les portes de la grâce sont ouvertes. The doors of grace are open. Pour nous les gentils. For we the Gentiles. Pour nous les nations. For we of the Gentiles. Nous n'avons pas une grâce éternelle. We don't have eternal grace. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas une grâce éternelle. We don't have eternal grace. Le genre de grâce infinie. The kind of infinite grace. Où quelqu'un va mener n'importe quelle vie. Where anybody can go live anyhow. Oui, avec les Écritures. To cover himself with scriptures. Pour dire que le prix a été déjà payé. To say the price already been paid. Je peux boire un verre. I can drink a bit. Je peux commettre l'adultère. I can commit a bit of adultery. Ça c'est un péché. This is a sin. On ne se moque pas de Dieu. We don't mock God. Chaque péché que vous commettez, everything that you commit, vous allez payer pour cela. You're going to pay for it. Allons-nous demeurer dans les And this grace has got an end. The redeemed ones, their names, has been written in the book of life of Lamb before the foundation of the world. When the last name gets into the body, my sister, when the last elected one, when the last elected one enter into the body, the matter is settled. The rapture is taking place. The bride is gone. The bridegroom is gone. The grace for us, the Gentiles, is over. The time of intercession for the holy is done. Grace will take an end. God will take care of the Jews. That's why let us seek the Lord while it may be found. Amen. While you still got the good senses, while you can still see, while you can still confess, let us seek for the face of the Lord. He's going to let himself known unto you. God is not far from us. He is next to you. Christ is next to you. You know where you left him. You know what's going on. Seek his face. Let us seek the Lord while he's present. Going to read in Romans chapter 9. Romans chapter 9, verse 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. It is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Verse 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy.
Romans chapter 6. We want us to read something. It is a good scripture. It is a wonderful scripture. Verse 1. What shall we say then? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? How shall we that are in death into sin live any longer therein? Prenons le verset 15. Verse 15. Toujours dans Romains 6. Still Romans. Prenons 6. Le verset 15 et 16. Verse 16. Quoi donc? 15 and 16. Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Know ye not now that to whom ye yield yourselves servants to obey, ye servant ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Amen, amen. Amen. L'Esprit de Dieu. The Spirit of God. L'Esprit impie. The evil spirit. Celui qui est en vous. The one that is new. Et un celui qui est dans le monde. The one that is new and the one that is in the world. Alors, qui est ce celui-là qui est dans le monde? Now, who is the one that is in the world? Celui qui est dans le monde. He that is in the world. Lui, c'est Satan. Him is Satan. Amen, amen. Celui qui est dans le monde. He that is in the world. Lui, c'est le diable. Him is the devil. C'est Lucifer. It is Lucifer. Pour ceux qui connaissent le latin, qui ont appris le latin à l'école. For them that knew a bit of Latin. Du latin lux, on prononce comme on écrit. From Latin, peut bien prononcer de plus que nous. From Latin, lux ou lumière, et faire porter, qui veut dire porteur de lumière ou porte lumière. Lucifer in Latin means door of light. Satan était précipité par terre. Satan was cast on the earth. De là où il était. From where he was. Dieu l'a précipité sur la terre. God cast him on the earth. Pourquoi Dieu l'a précipité sur la terre? Why did God cast him on the earth? Dieu l'a précipité sur la terre. God cast him on the earth. Parce qu'il n'était pas content de sa position. Because he wasn't happy with his position. Amen, amen. Dieu l'a précipité sur la terre. God cast him on the earth. Parce qu'il a envié la position de Dieu. Because he envied the position of God. Dieu, le créateur. God, the creator. Quand Satan a envié sa position. When Satan envied his position. Parce que notre Dieu est jaloux. Because our God is jealous. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. His glory he never shared with anybody. Il l'a précipité sur la terre. He cast him on the earth. Dieu. God l'a précipité sur la terre. Cast him on the earth. À cause de l'orgueil. Because of pride. Amen, amen. L'orgueil est monté. Pride has gone up. Il s'est dit, maintenant je suis capable de prendre la place du Créateur. Pride has increased. He said, Dieu I'm able l'a to take précipité the position sur of creator. La terre. And he's been cast on the earth. La Bible l'appelle astre brillant. The Bible calls him shining astre star. Brillant. Shining comme star. Nous l'avons vu de par son nom, porteur de lumière, un astre brillant. As we can see by his name, the bearer of light. Ma soeur, mon frère. My brother, my sister. L'éternel notre Dieu. The Lord our God. Ne se caractérise pas dans les choses qui brillent. Is not found into the things amen, that's amen. Sparkling. L'éternel notre Dieu. The Lord our God ne se caractérise pas dans les choses qui brillent. Is not found in the things that's sparkling. Dieu se cache. God is hidden. Et se révèle toujours dans la simplicité. He's hidden and always reveals himself into gloire simplicity. À Dieu. Et regardez sa première venue. Look his first coming. Pendant que peut-être les gens pensaient voir
Le cortège des anges. While people were thinking to see the convoy of angels. Quand les gens parlaient d'un sauveur qui devrait venir. Oh, people talking about the savior. Pendant qu'ils pensaient voir un cortège des anges avec de la musique. They were hoping to see a convoy of angels with music. Mais regardez là où le sauveur est né. And look where the savior was born. Là-bas avec les fermiers. There in the with the farmers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même quand il est parti. Even when he went away. Ça n'a pas fait de bruit. He didn't make noise. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, Jesus, sa première venue, sur la terre, his first coming on the earth, ça n'a pas fait de bruit. He never made noise. Il a marché sur la terre. He walked on the earth. Dieu lui-même, God himself, marchant sur la terre, walking on the earth, réconciliant l'homme avec lui-même, reconciling the man with himself. Sa première venue n'a pas fait de bruit. His first coming never make noise. Quand il est parti, when he went away, ça n'a pas fait de bruit. He never make noise. Gloire à Dieu. Amen. Notre Jésus, our Jesus, il revient encore pour la deuxième fois. He's coming back for the second time. Notre Jésus, our Jesus, nous l'attendons. We waiting for him. Il n'est pas encore venu. He hasn't arrived. Cette seconde venue physique, this physical second coming, nous l'attendons. We waiting for him. La Bible dit quand il vient, the Bible says when he comes, il viendra comme un voleur dans la nuit. He'll come like a thief in the night. Vous devez être prête, ma soeur. You got to be ready, my sister. Vous devez être prêt, mon frère. You got to be ready, my brother. Parce que quand il viendra, when he will come, la Bible dit c'est en un clin d'œil. The Bible says in a twinkling of ça an eye, ça ne fera pas de bruit. It won't make noise. Il est venu pour la première fois. He came for the first time. Il a marché sur la terre. He walked on the earth. Pour notre salut. For our salvation. La deuxième fois quand il vient, the second time when he comes, ses pieds ne vont pas fouler la terre. His feet won't tread on the sera dans les airs. He's going to be on the air. Où nous allons le rencontrer. Where we're going to meet him up. Alors nous devons être prêts. Then we got to be ready. Il se cache. He hide himself. Et il se révèle. And reveal himself. Dans la simplicité. Into simplicity. Un astre brillant. A shining star. C'est pourquoi bien-aimés sœurs. That's why beloved sisters. Restez loin de ce qui brille. Stay away from whatever is sparkling. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, my brother, restez loin de ce qui brille. Stay away from whatever shining. Gardez la parole de Dieu. Keep the word of God. Soyez toujours dans la prière. Always be in prayer. Alléluia. Amen. Même quand vous voulez faire le choix d'une église. Even when you want to make a choice of a dans a la church, plupart des cas, les gens sont dans la confusion. In the most cases, people are in confusion. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Because alléluia. They don't have a revelation. Vous n'allez pas choisir un bâtiment. You don't choose a building qui brille, qui est beau, which is shining avec pretty, des couleurs, with different colors, avec toutes sortes de bonnes choses, with all kind of good things. Vous n'allez pas choisir une église parce que le pasteur a un diplôme en théologie. You won't choose a church because the pastor got a degree in theology. Vous allez choisir une église. You're going to choose a church. Tout en sachant que, knowing that, quand j'irai adorer là, when I'll go worship there, je serai orienté vers ma destinée éternelle. I'll be oriented toward my eternal destiny. Ce n'est pas l'église qui sauve. It's not the church that saves. Ce n'est pas le bâtiment qui sauve. It's not the building that saves. Le salut est en Jésus. Salvation is in Jesus. Amen. Le salut est en Jésus. Salvation is in mais Jesus. En choisissant l'église, but what you're choosing vous the ne choisissez church, pas les bâtiments, you don't choose the mais building, vous choisissez la parole qui est prêchée là. But you choose the word that is preached in parce there, que Christ est la parole. Because Christ is the word. La parole qui est prêchée là. The word that is preached. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. La parole était avec Dieu. And the word et was cette with parole God, a été faite chair. And this word was et made cette flesh, parole a marché au milieu de nous. And this word Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel, Christ God est la parole. Himself only is the word. Gloire à Dieu. Restez loin de ce qui brille. Stay away from whatever même shining. Même quand tu veux faire le choix d'une femme. But if you want to make a choice of a quand woman, tu es prêt, when you are ready, tu vois que tu es responsable. You feel that you are responsible. Tu veux te choisir une femme. You want to choose a wife. Ne regarde pas la forme.
Do not look for the shape. Où tu vas regarder la sœur? Where you going to look at the sister? Il dit, moi si nous autres vraiment. I said, indeed, this ne is a good body. Ne regardez pas la forme. Do not look at the shape. Ne regardez pas la beauté. Do not look at the pretty. Mais regardez le caractère de la parole de Dieu dans la sœur. Look the character of the word of God in the Gloire sister. À Dieu. Parce que la beauté va faner. Because beauty Amen. Is deceiving. La forme va faner. The shape going to Elle fade away. Elle peut malade. Elle peut tomber malade. She might fall sick. Alors, si vous avez été attiré par la forme, par la beauté, now if you've been drawn to her by the shape and the beauty, now that she's sick, qu'est-ce que tu vas dire? What are you going to say? Tu vas chercher une raison? You're going to seek for a reason. Non, cette femme est sorcière. This woman is a sorcerer. À la recherche d'une autre beauté looking, quelque part. Looking for another pretty beauty somewhere. À la recherche d'une autre forme ailleurs. Looking for another shape si somewhere. Si vous faites ça. If you do so, vous vivez dans l'adultère. You're living in adultery. Gloire à Dieu. Et les adultères n'entreront pas au ciel. The adulterers are not going to make it amen, to heaven. Amen. Même vous, ma sœur. Even you, my sister. Quand vous voulez faire le choix. When you want to make a choice. Parce que de part et d'autre, c'est le choix. Parce que time, both sides is le about the choice. Vient. The brother comes. Ne regardez pas son argent. Do not look at his money. Amen, amen. Ne regardez pas les apparences. Do not look to appearance. Mais regardez le caractère de la parole de Dieu dans le frère. Look the character of the word of God in the brother. Parce que si vous regardez son argent, because if you look at his si money, vous regardez son apparence, if you look at his appearance, votre mariage aura des problèmes. Your marriage will have trouble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Astre brillant. Shining star. Pour ceux qui ont fait les études chimiques, for them that have done chemistry studies, ou bien qui ont fait les affaires dans les minerais, who have done some mineral research geology, ils savent ce qu'on appelle or de fou, or de fou. They know what is called outside of outside of the plate. Ou la pyrite, ça s'appelle pyrite de fer. Or the purification with iron. Cet or de fou, hein? Pour les gens qui ne connaissent pas distinguer le vrai or. Et c'est l'or de fou qu'on appelle pyrite de fer. For somebody that does not know how to set up difference. Si vous n'êtes pas vraiment du domaine, parce que ça brille beaucoup. If you're not of the domain. Ça brille, ça s'appelle or de fou parce que ça brille, ça attire et puis ça confond beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment du domaine. It's shining so bright, it confounds. Parce que les recherches scientifiques ont prouvé que. Les recherches scientifiques ont prouvé que. The scientific research has proven that. Les acides qui descendent avec certains matériaux chimiques sur le sol. The acid that goes down into the material. N'ont pas été assez suffisants pour faire de ces sols-là l'or pur. It hasn't been enough to make that iron to be mais more ça pure. Brille, but it shines. À telle enseigne que si vous prenez ça, vous dites j'ai de l'or, mais je peux avoir beaucoup d'argent. To such extent, you can take and say I've got gold, I can cette make money. Cette terre qui contient la pyrite de fer. That soil that contains the pure l'or de iron, fou. Or vous pouvez construire, une maison, utiliser ça pour le fondement. You can build a house using it for a foundation. Ou bien vous pouvez utiliser ça pour le pavement. Or you can use it for the paving. Ça brille très bien. It shines very well. Ça donne l'éclat, c'est très bien. It good, it gives mais a good sparkling. C'est vite exposé à des fissures. But it's quickly exposed to the cracks. Que Dieu vous bénisse. C'est vite exposé à des fissures. It is quickly exposed to the cracks. C'est pourquoi quand vous suivez ce qui brille. That's why when you follow what is shining. L'église du Dieu vivant. The church of the living God. L'église du Dieu vivant ne brille pas. The church of the living God mais does not shine. Mais l'église du Dieu vivant lui. The church. L'église rayonne par l'évangile. The church of que Jesus Christ. Que votre lumière luise aux yeux du monde. Through the gospel may your light shine in the world. Un enfant de Dieu ne brille pas. A child mais of God un enfant de Dieu lui par l'évangile. Does not shine but is sparkling through the gospel. Alors si vous suivez ce qui brille. Now if you follow what shines. Soit votre foi sera basée sur quelque chose qui brille. Either your face is going to be based une on the things église, that is shining. A bon diploma, a good diploma, mais ça aura des fissures. But it's going to have cracks. Parce qu'il n'y a pas d'avenir éternel en ça. Because there's no everlasting si life in them. Si c'est le mariage qui est basé sur ce qui brille, si if the marriage is based on what shines, on the money, ma soeur, l'argent,
s'envole de foi. L'argent a des ailes. My sister, money sometimes got wings. L'argent a des ailes. Money has got wings. L'argent s'envole. A time it flies away. Parce que vous êtes marié à cause de l'argent. Because you got married because of money. Le jour où il n'y aura pas l'argent, the day money will fly away, le mariage aura des fissures. Your marriage will have cracks. Je connais un homme au Congo. I know a man back home. Il était polygame. He was a polygame. Alors, il était marié à trois femmes. He was married to three women. Et c'était avant qu'il ne puisse croire le message. It was before he believed the message. Mais quand il est venu au message, when he came to the message, avec ses trois femmes, with his three women, toute sa famille, ses trois femmes, ses enfants, tout le monde était dans le message, ils ont crié la parole de Dieu. His three wives, all of them were in the message, they believed the word of God. C'était quelqu'un vraiment riche. That man was so rich. Les affaires marchaient vraiment très bien. The business were going booming. Mais à un certain moment, l'argent s'est envolé. A time, the money just flew away. Alors, il fallait commencer à vendre les parcelles et autres choses. Now he started selling a plot. Il a vendu la parcelle de sa deuxième femme. He sold the first plot of his first wife. Pour qu'il puisse commencer à vivre et recommencer le business. So that they can survive to start the business. Tout le monde était content. Everybody was happy. Il a vendu la parcelle de la troisième femme. He sold the plot of the third woman, third pour wife. Qu'il puisse vivre, qu'il puisse se relancer dans les affaires. For them to start a bit of business. C'était encore bien. And it was le good jour again. Où il a vendu la parcelle de la première femme. The day he sold the plot of the first woman. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La première femme a dit. The first woman said, moi, je n'étais pas marié pour que je puisse souffrir. I wasn't married for me to suffer. Elle a laissé l'homme. She left the woman. Avec les deux autres. She left the husband with other two. Elle est partie à Kinshasa. She went back to Kinshasa. Là, elle a commencé à faire les affaires pour ceux qui viennent de Kin, qui connaissent les tronçons Kin Matadi ou bien Kin Bandundu. Where she started business from Matadi, Bandundu and Kinshasa. Maintenant, quand elle est allée là, when she went there, dans les affaires, elle a connu l'accident et elle est morte. Into the business, she was involved in an accident. She le passed mari on. Est resté avec les autres deux femmes. The husband remained with the two women, the c'est two wives. C'est pourquoi ma soeur, that's why my sister. C'est pourquoi mon frère, that's why my brother. Restons loin de ce qui brille. Let us stay away from whatever gardons shines. Gardons la parole de Dieu. Let us keep the word of et God. Et soyons toujours dans la prière. And let us always be in prayer. Amen, amen. Amen. Je voudrais que nous puissions lire certaines écritures là-dessus. I want us to read some scriptures. Allons-y un peu vite dans Ésaïe 14. Isaiah 14. Ésaïe 14, nous commençons à partir du verset 12. Isaiah 14 from verse 12. Ésaïe 14, le verset 12, nous descendons. Ésaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down of the ground to the ground? Which is weaken the nation. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. For thou hast said into thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. And I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. I will ascend above the height of the cloud. I will be like the Most High. Il n'était pas content de sa position. He wasn't happy with his position. Il voulait être semblable au Très-Haut. He wanted to be likened to the Most. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort. Dans les profondeurs de la fosse. To the Most High, he was cast down into the hell. Allons-y dans Jean 1. John 1. Nous allons lire Jean 1. Going to read John 1. Nous commençons à partir du verset 1. From verse 1. Jean 1.
Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. John 1, from 1 to 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. In him was life, and life was the light of men. La lumière luit dans les ténèbres. Amen. Amen. And the light shineth in the darkness. La lumière luit dans les ténèbres. And the light shineth in the darkness. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. And the darkness comprehended it not. Ajoutons une autre écriture dans Matthieu chapitre 5. Another scripture, Matthew 5. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, Matthew verset 16. Matthieu chapitre 5, 7. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise. Amen. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, amen, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Let your light so shine before men that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Nous ajoutons une autre écriture dans Proverbe 23. Another scripture in Proverbs 23. Nous sommes dans Proverbe chapitre 23. Nous commençons à partir du verset 4. Proverbe chapitre 23, from verse 4. Proverbe 23, 4, 5. Nous lisons. Proverbe 23, 4 to 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Will thou set thine eye upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Gloire à Dieu. Le verset 4 dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Verse 4 said, do not trouble yourself to get rich. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'argent. This does not mean we don't need money. Amen, amen. Notre Dieu a les grands projets de bonheur pour nous. Our God has got great plans for et us. Et cela doit s'accomplir dans notre vie. A plan of prosperity pendant in our life. Que nous vivons. And it has to be fulfilled in our life while we live. Ce projet-là doit s'accomplir pour que nous puissions glorifier son nom. We, it's going to be manifested and glorify cela his name. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'argent. This does not mean we don't need money. Nous avons besoin des sœurs, les hommes d'affaires. We need the sisters, businesswomen, qui font vraiment des affaires, qui prospèrent, qui ont l'argent, which are making business and they're going forward, qui un jour peuvent nous acheter une place ou un endroit où nous pouvons adorer, which one day they can build a place where nous we can worship. Nous avons besoin de frères, des hommes d'affaires, we need brothers, businessmen, qui peuvent aussi venir en aide dans l'église, ceux qui sont dans les besoins, which they can also help people in the church in the need. Mais being il ne faut needed. Pas que cet argent-là devienne un dieu pour toi. But we don't want that money to become God for nous you. Nous voulons être riches. We want to be rich. Nous voulons avoir l'argent. We want to have money. Nous voulons avoir des biens. We want to have goods. Mais cela dans le Seigneur. But that in the Lord. Alléluia. Amen. L'argent s'envole. The money flies away. Ça a des ailes. It has got wings. Alors quand on lisait, quand nous étions dans Ésaïe 14, when we were in Isaiah 14, nous avons compris là que Lucifer, le diable, Satan, était précipité sur la terre. We understood that Lucifer, the devil, was cast on the earth. Et nous avons donné quelques raisons pourquoi il a été précipité. And we gave some reason why was he cast down. C'est parce qu'il n'a pas gardé sa place. Because he never kept his place. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne va pas te bénir
en dehors de ta position. God won't bless you outside of your position. Alléluia. Dieu doit te bénir quand tu gardes ta position. God will bless you when you keep your position. La parole de Dieu, the word of God, nous a montré tout un chacun sa position. It shown us each one his position. L'homme, sa position. The man, his position. La femme, sa position. The position of the woman. Les enfants, sa position. The position of the child. Alors, lorsque vous ne restez pas à votre place, now, when you don't abide into your place, vous êtes déjà en dehors de l'ordre divin. You are already outside the divine order. Il est le Dieu de sa parole. He is the God of his word. C'est difficile qu'il te bénisse pendant que tu n'es pas dans ta position. It is difficult to bless you while you're not in his position. Lorsque le péché est entré, when sin crept in, alors Dieu a dit à la femme, then God said to the woman, désormais, henceforth, tes désirs, your desire, seront dirigés vers ton mari, will be toward your husband. Et lui, and him, il va dominer sur toi. He shall rule over you. Et toi, femme, and you, woman, tu dois être soumise à ton mari. You got to be submissive to your husband. Toi, l'homme, you, man, tu dois aimer ta femme. You got to love your wife. Vous, les enfants, you children, vous devez obéir à vos parents. You got to obey to your parents. C'est l'ordre divin. It is a divine order. Si vous ne restez pas dans cette position-là, if you don't abide in that position, c'est vraiment difficile que Dieu vous bénisse. It is difficult for God to bless you. Alléluia. Mais où sont les sœurs qui peuvent dire que moi je suis la fille de Sarah? But where is the sister can say I'm a daughter of Sarah? Parce que Sarah était toujours soumise à Abraham. Because Sarah was always obedient. Et elle pouvait submissive l'appeler mon Seigneur. To Abraham, her husband could call her my Lord. Où sont les sœurs qui appellent leur mari mon Seigneur? She could call him my Lord. Where is the sister that are calling the husband my Lord? Kalala, uko wapi? Say, well, Kalala, where are you? André, I was looking for you. Où sont les sœurs qui sont soumises à leur mari? Where are the sisters that are submissive to their husband? Surtout que si c'est la sœur qui travaille. More especially if the sister, she's working. Elle a un salaire. She's got peut-être plus que celui de son mari. She's got a salary, a wage which is more peut-être than her husband. Peut-être que le frère fait du security. Maybe the brother is doing some security. Et la sœur travaille dans une compagnie. The sister, she's working in a company. Avoir un bon salaire de plus que ton mari, to have a bigger salary more than your husband, cela ne fait pas de toi chef dans la maison. That does not make you chief que Dieu vous in bénisse. The house. Vous devez garder votre position. You got to keep your position. Cela ne vous donne pas l'occasion de commencer à tirer votre mari au nez. That does not